imagination. Concept. Proche de ses abonnés. Multigamer. Multiplateforme. Youtubeur nouvelle génération. Monsieur Coty s'occupe de tout. Bienvenue à Fairhaven, la ville où vous trouverez les courses de rue les plus intenses de la planète. 10 pilotes d'exception sèment la police sans relâche pour dominer les rues de la ville au volant des meilleures voitures. Ce sont les Most Wanted. Pour rejoindre cette élite, il faut gagner le droit de l'affronter. Battez-les tous et vous serez le pilote numéro 1, le Most Wanted de Fairhaven. Et pour ça, il vous faudra des voitures. Beaucoup de voitures. Les plus belles voitures du monde sont disséminées à travers la ville. Chaque voiture que vous trouvez peut être conduite. Il vous suffit de retrouver leur point d'échange avant de vous glisser au volant. Suivez l'itinéraire menant à votre première voiture. Allez-y, c'est maintenant. Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de Need for Speed Most Wanted. Je vais juste faire une petite présentation, avant de continuer le jeu. Donc, c'est un jeu édité par Electronic Arts, développé par Criterion. C'est un jeu de course sorti le 31 octobre 2012. Nous sommes le 29, donc je l'ai eu un petit peu en avance. C'est sur PC. D'ailleurs, on va faire un petit tour paramétrage. Audio, tout est ok. Affichage, tout est ok aussi. Graphisme, bah j'ai tout mis au plus élevé possible. Jouabilité, tout est ok. Extra, tout est ok. C'est parti. Je vais juste baisser un petit peu le son dans mon casque. Voilà, c'est nickel. Donc c'est un petit jeu de voiture. Pour moi, si je veux dire une chose, c'est un oulala, c'est un Burnout Paradise numéro 2, tout simplement. Il n'y a pas à chier sur ce que c'est. Bah pour moi c'est ça. Et d'ailleurs j'ai une petite caillée, je conduis très mal. développé par Electronic Arts, du coup bah c'est du Frostbite 2 et ça se voit par rapport au niveau des éclairages. Le soleil on dirait c'est oulala. C'est vrai que la voiture elle est un petit peu lourde, par contre il va falloir s'y faire. J'espère qu'il sera quand même mieux que Need for Speed The Run, le Hot Pursuit. J'avais totalement kiffé, que j'ai même eu le platine sur PlayStation 3, le platine qui équivaut à avoir tous les trophées du jeu. The Run, j'ai vraiment détesté, limite le jeu on finissait en 2 heures, c'était vraiment immonde. Hop là, on change de couleur, comme j'ai vu dans la vidéo de Dark Sidéral. Hop là. Vous avez trouvé votre première voiture, il okay. En reste beaucoup d'autres. Cherchez une Porsche en plus, quoi. Appuyez pour faire l'échange. Ok, triangle, comme si on voulait son jet d'arme. Enfin, là je suis que manette 3-6, donc c'est Y. À chaque voiture que vous trouvez correspond une série de courses. Vous pourrez y accéder grâce à Easy Drive. Définir okay. Destination permet de trouver votre première course. L'itinéraire jusqu'à la ligne de départ apparaîtra sur la carte. Suivez-la. Hop, ok. Donc, est-ce que vous avez aimé Burnout Paradise? Moi j'ai bien kiffé, contre la route devant, pourquoi elle avance pas? Peut-être qu'elle n'a pas besoin. Oula, on se prend pour un fou. Moi j'avais bien kiffé, donc dites-moi si vous aviez bien kiffé. Accédez au checkpoint et faites patiner vos pneus.
Allez, c'est parti pour l'épreuve. Yo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore pour... D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit like pour cette découverte de ce jeu qui est pas mal attendu. Mais c'est vrai que sur une courte période, on a beaucoup de jeux. On a Assassin's Creed 3, on a celui-ci, on a aussi WWE 2013. Ça fait pas mal de jeux, je trouve. En très peu de temps. Par contre, je sais pas du tout comment on l'utilise. Non. Je voulais voir comment on utilisait la nitro. Par contre, ce qui est dommage, voilà, c'est comme l'avait dit Dark sur sa vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un peu dommage, mais on a que deux vues. On a la vue intérieure. Je vais essayer de basculer un peu sur les deux, histoire de vous présenter, de voir un petit peu le gameplay de deux vues différentes. Mais je suis pas très bon. Je suis un peu meilleur avec une vue de capot. Ouais, bah, lui aussi mauvais que moi. Par contre, au niveau de la sono, ça a l'air pas mal du tout. Juste l'intro, moi, m'a bien fait plaisir. La couleur de la voiture. Oh, je suis très mauvais. Là, n'hésitez pas à me dire que je suis mauvais, vous avez le droit. Tant que c'est construit, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Je vous y autorise. D'ailleurs, la voiture, c'est une quoi? C'est une Porsche quoi? J'arrive même pas à voir. La voiture, elle roule tellement vite que si vous savez ce que c'est comme Porsche... Moi j'aurais dit une Porsche Carrera parce que enfin, je crois que ça existe. Je crois que je vais pas dire des bêtises parce que vous êtes beaucoup plus instruit que moi au niveau des caisses. Alors, voilà, on était premier. Bizarrement la voiture elle a changé de couleur d'un coup, à part si c'est du noir et blanc pour le final. Gagnez les motifs en finissant premier ou deuxième. Installez-les pour obtenir une amélioration. Ok. Ou utilisez Easy Drive pour changer les pneus, la nitro, le châssis, la carrosserie ou la transmission. Les speed points vous font progresser dans la liste Most Wanted. Pour en gagner, participez à des courses, défoncez des panneaux d'affichage ou des grilles de sécurité, faites-vous flasher par les radars ou semez la police. Autolog enregistre tous vos speed points. Plus vous en aurez, plus vous vous rapprocherez d'un défi face au pilote Most Wanted et plus vous dominerez vos amis. Ok. Vous voulez savoir où vous en êtes? Avec Easy Drive, retrouvez tous les défis disponibles. Eh bah dis donc, Easy Drive, on a compris, hein. Nous on veut jouer. Dans quel ordre les réaliser. Ah. Allez, on va faire un petit tour quand même, parce que le but, moi, c'est pas vraiment de faire de course, parce que si vous voulez des... D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en vidéo avec ce jeu, si vous voulez des vidéos détentes sur tel type de course, n'hésitez pas à me le dire. Bon, la vidéo découverte, c'est vraiment une découverte du jeu, du moteur graphique. On va voir ce qu'il donne sur PC, parce que c'est vrai qu'il est assez... Bah, ça pète bien la gueule. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vais aussi le recevoir sur PlayStation 3. On fera un peu comme Medal of Honor, c'est-à-dire qu'on fera une vidéo sur chaque support pour voir la différence. On peut klaxonner, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Non, on va pas se connecter. Non, non, on va faire un petit tour, allez, c'est parti. Est-ce qu'on va l'avoir le panneau? Est-ce qu'on va l'avoir? Oui, non, et non. Notre caisse n'est pas encore assez puissante pour ça. On va montrer c'est quoi un vrai pilote. Au début, c'était une petite blague que je vous ai faite, comme quoi j'avais du mal à piloter. En fait, je suis un très bon pilote. Vous allez voir par vous-même. Ouh, pas mal. Ouh, ça c'est pas mal du tout, mais c'est nul. Je tiens à vous dire que je n'ai pas le permis. J'espère que vous aussi. Ou peut-être que si, parce que... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Course poursuite. Alors, je leur montre au flic, c'est qui le meilleur. Regardez bien. Là, John coupe. Voilà, et voilà. Avec les flics qui sont un peu compliqués à distancer, bah on a la preuve que non. Fuyez ou cachez-vous pour lui échapper. Alors le nitro. Ah oui, c'est ok. C'est A pour le nitro. 3 pour la traction. Ah, ils sont revenus. J'ai parlé un peu trop vite. Un petit drift,
La voiture elle est vraiment lourde. Bon après c'est clair qu'on n'a pas une voiture de 100 kg, hein, on est d'accord. Mais c'est un petit peu lourd je trouve. Hop là, lui c'était pris, et là on décale à fond. Allez hop. En tout cas franchement graphiquement, ça rocks du poney ou du saucisson, comme vous voulez. D'ailleurs je sais pas s'ils ont repris une vraie ville. Enfin ils l'ont renommé autrement et je sais pas s'ils ont calqué ça sur une vraie ville. Sûrement ils ont pas du tout inventé d'eux-mêmes. En tout cas moi je vous dis là avec mon écran, ça fait du bien aux yeux. Il n'y a aucun ralentissement pour l'instant. Et ils veulent pas me lâcher. Hein. Mais bon, on va quand même s'en débarrasser. Ou pas. Non mais c'est pas que c'est moi. Si. Bon, toi. Oh, elle m'a attrapé. Ah. Vous pouvez écrire que je suis un boulet. Vous avez le droit de dire que je suis un boulet. Vous avez tout à fait le droit. Mais au moins, c'était pour vous faire montrer dans la découverte qu'on pouvait se faire arrêter par les flics. Parce que vous le saviez peut-être pas. Maintenant, vous le saviez. Vous le savez plutôt. Moi qui parle pas très français. La police vous a arrêté. La prochaine fois, semez-la et restez hors de sa vue pour lui échapper. Ok. Alors oui, il y a pas une petite course à faire. Ok, on va se faire une petite course quand même. Je vais pas faire une découverte sans faire quelques courses. En tout cas, je trouve vraiment beau. Ça, c'est le genre de jeu... Merde, je suis trompé de chemin. C'est le genre de jeu que je pourrais jouer rien que pour me balader comme ça pendant une petite heure. Ouh là là, mais arrêtez de me foncer dessus, bande de con. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas de temps à perdre. Franchement, ça ralentit pas du tout, c'est super fluide pour l'instant. On va voir ça à profil de. Je conduis vraiment comme une merde. Mais vraiment, vraiment. Hop. Alors, ils ont dit. Faites ça accélérer et freiner en même temps pour commencer une course. Je ne sais pas du tout, je suis à combien de temps d'enregistrement. Ce sera pas une vidéo bien longue, vu que sur PC ça me bouffe beaucoup de place. Mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire quand vous voulez ce que vous voulez comme course et compagnie. N'hésitez surtout pas à me le dire. Chargement. Ok. C'est parti mon kiki. Qu'à la bande son, pour l'instant c'est Bruno. Vos pronostics, est-ce que je vais arriver premier à votre avis? Moi je dis que je vais arriver deuxième. Je sais pas pourquoi, mais je la sens mal cette course. En tout cas le menu il est assez simpliste, enfin simple d'utilisation. Moi qui pensais que ça allait être un peu compliqué, mais en fait c'est assez simple pour faire une course. Enfin, il y a le plan pour nous aider où aller et pas ni. Allez, voilà, attention à ces rouges, pas au fou. Klaxonne contre les gens qui pourraient te filer. C'est un peu dur de suivre le plan et de regarder sur la route. C'est pas évident. Allez, je prends l'inspiration. Ah, j'ai oublié qu'on pouvait mettre des takedowns. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de boost depuis le début. Voilà, vu que je suis premier, je peux me faire plaisir. Non, j'ai parlé un peu trop vite. Voilà, take down de plein fouet. Hasta la vista, mon ami. Voilà, toi, viens là, mon coco. Et je vais te. Hop là. Ah bah. En essayant de faire quitter le jaune. Ah. Et oui, je vais pas gagner celle-là. À force de vouloir trop percuter le jaune, bah voilà.
Je me suis fait avoir alors que j'aurais dû continuer tout seul ma petite route. C'est un petit peu dommage. Donc je sais pas si vous m'avez dit que j'allais être troisième ou non. Ouais, oh là là, oh là là. C'est quoi ce carambolage? Ce jeu doit être super en multijoueur. Ça, j'ai hâte de le tester. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le multi, dites-le moi. Je la ferai sans aucun problème. Mais faut surtout le faire avec des personnes qu'on connaît, que des inconnus, c'est pas tip top. Avec des personnes qu'on connaît, on se donne rendez-vous à tel point et on sape des bonnes barres. En tout cas, franchement, graphiquement, je me répéterai encore et encore. Mais c'est très joli. Moi, j'aime bien. Allez, essayons de dépasser 300, peut-être. Non. On va pas monter jusqu'à 300. C'est dommage. Merde. Non, non, laissez-moi. Laissez-moi tranquille, les flics, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça qu'on est. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû prendre la sortie, merde. C'est pas grave. Si je trouve un autre itinéraire. On va faire la dernière petite course. En même temps, on va se balader. Merde. On va regarder un peu le décor. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en vidéo. Moi, c'est vous les chefs. Hein. Je suis simplement votre serviteur, comme je dis souvent. Dodo, ne fantasme pas quand j'aurais dit ça. Parce que oui, Dodo, c'est vraiment... vous pouvez le voir sur une de mes vidéos. C'est vraiment un gros cochon, voilà. Merde. Je parle de Dodo et je me prends un mur. Voilà. Voilà, voilà l'effet qu'il me faut. Là. En fait, chercher le frein à main, en fait, au lieu de faire le frein à main qui est carré ou X... pour les possesseurs de 3-6, bah, j'ai appuyé sur la micro, tout simplement. Du coup, ça m'a pas trop aidé. Ok. Ça va encore, on a pas encore beaucoup de dégâts, je trouve, par rapport à tout ce que je me suis pris. Hop, hop, hop. Aïe, aïe, aïe. C'est pas de ma faute, hein. Enfin, ma voiture, elle est pas belle maintenant. En plus, j'adore le bleu. Ah, c'est comme ça qu'on change les musiques. Ok. Hop. On va pouvoir changer les musiques, j'ai pas fait attention. On va conduire un petit peu avec cette vue-là. Histoire de vous proposer quelque chose d'autre. Oh, il y a les flics. Avec eux, faut vraiment rouler doucement, j'ai pas joué au fou. Petit dépassement normal, ils vont rien dire. Voilà. Avec une bonne petite musique pour se mettre en ambiance. Maintenant, je crois que le flic... Putain. Vilain flic. Vilaine voiture. Pardon. Je suis un peu fatigué parce que j'ai pas mal bossé ce soir. Hop. Petite. Ah mais. Oh là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu le soleil en plein dans mes narines. Allez. On va mettre la vue normale pour aller un peu plus vite. C'est parti. Voilà, je vais me la péter un petit peu à faire les dérapages qui servent à rien. On est bien d'accord. J'essaie de vraiment découvrir un peu les musiques différentes qu'il y a dans le jeu. Allez, il nous reste plus que 500 mètres, mes amis. Bah voilà, on va changer la voiture vite fait. Ah, il y en a une autre ici.
Je sais pas si elle est mieux ou moins. Enfin, je sais pas du tout. J'aime pas trop le rouge. Vous aimez bien, vous, le rouge? Moi, j'aime pas. Je vais la changer de couleur. Ouais, mais j'aime pas aussi. Je vais voir si on peut changer une dernière fois pour avoir quelque chose d'autre. Sinon, tant pis. Bon, elle est en vert. Wow, putain, il va me mettre. En fait, j'avais peut-être pas le droit de faire la course que je voulais faire. Attendez, je vais essayer de reprendre la voiture. Qui n'est plus là. Enfin, si, mais. Ah, voilà. Je peux la faire la course ou pas? Non, mais je sais plus laquelle je voulais faire en fait. Voilà, 3,9 km. Ah voilà, c'était celle-là, je crois. Attention, toi, attention. Voilà. Course sprint. C'est parti, une dernière course avant de finir cette vidéo découverte de Need for Speed Most Wanted. Vraiment du mal ce soir. Hein. Voilà, Dodo m'a dit des bêtises, j'ai lu ce qu'il m'a écrit et voilà, je me suis pris une poubelle. Merci Dodo. Donc là, c'est du 1v1. Mais je vais lui montrer ce qu'il fait. Celle-là, je la gagne. Je peux pas finir une vidéo découverte sans finir premier à la dernière course. C'est pas possible. Voilà, de plein fouet direct. En plus, elle est en bleu ma voiture, donc je me sens vraiment surpuissant. On va changer un peu la musique. Oh oui, premier panneau qu'on a explosé. Ah, c'est vraiment bon. Les suspensions ont dû prendre bien cher en tout cas. Voilà, je commence à prendre la main sur le gameplay. Ou pas. Alors, je veux pas que je me la pèse ou que je dis un truc comme ça. Elle joue un truc pour me faire taire. C'est comme ça. Cherchez pas à comprendre. Allez, la serrue. Il reste plus que. Allez, on y va à fond, on y va à fond, on y va à fond. Et on fait un super au dérapage. Pour finir. Yeah. Et voilà. Nous avons fini cette super course en premier. On va s'arrêter là pour la vidéo découverte, les amis. Avec cette petite musique, on va voir le mec là qui est juste devant, enfin le panneau publicité. Oh là, qu'est-ce qu'il veut lui? Putain, il l'a pété, mais casse-toi. T'es vraiment un enfoiré. Bah, allez, on essaie de faire un beau créneau. C'est pas la musique des experts, ça? Il est bon mon créneau ou pas? Franchement, si vous le deviez le noter, vous auriez mis combien ce créneau? Moi, j'aurais mis clairement un petit 6 sur 10. Après, à vous de me dire. Enfin, la voiture, elle est super belle en plus. Moi, je la trouve bien stylée, même si elle est un peu sale sur le devant. Mais voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous voulez voir en vidéo, si vous voulez voir des courses, des sprints, des chasses à l'homme. Enfin, dites-moi tout ce qui peut être fait et je le ferai dans la prochaine vidéo de ce petit jeu bien sympathique qui est encore une fois Need for Speed Most Wanted qui sort le 31 octobre 2012. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis c'est tout. Salut !